Avance. Avance. On va carrément. Là. Ok. On est arrivé. Papa, je voulais aller vérifier celle-là. Mais tu n'as pas vérifié avant que je me déplace, mon ami. Papa, j'ai vérifié, je l'ai demandé. Ok, vas-y donc. Voilà, désolé hein, de vous déranger avec nos problèmes là. Nous sommes en train de faire une surprise à une dame dans la ville de Berthois qui on m'a raconté son histoire. Une femme abandonnée elle-même et qui traverse ce moment très très compliqué. J'ai fait un vœu à Dieu pour lui demander, pour lui dire que je ne voulais pas quitter la ville de Berthois sans être une bénédiction pour quelqu'un. Elle est là. Ok, il faut garer. On garde bien. Et je voudrais que les gens comprennent bien. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés, qui interprètent mal ce que nous nous faisons. Ce que nous faisons pour faire le bien autour de soi. Il ne faut pas être un milliardaire, c'est pas ça. Parce que si tu attends de devenir milliardaire avant d'aider les gens, tu ne réussiras jamais, tu ne feras jamais. Donc on n'aide pas, on n'assiste pas les gens parce qu'on a beaucoup, mais parce qu'on veut avoir beaucoup. On veut que Dieu nous bénisse. La Bible dit « Dido Mikai, Dido Tesetai, Humin ». Pour ceux qui comprennent pas le grec, ça veut dire « donner et il vous sera donné ». Donc, ce n'est même pas la quantité qu'on donne qui compte, mais c'est le geste, c'est l'action que l'on pose qui est importante. Qui est importante. Donc, c'est aussi pour montrer aux gens que les œuvres bonnes sont importantes pour nous qui sommes enfants de Dieu. Les œuvres bonnes sont importantes. Le donner devrait être une tradition pour chaque chrétien. Lorsque Dieu te donne le peu que tu as, il faut savoir partager. Partage-le. Même si c'est un bout de pain, tu partages ce bout de pain-là. Ça fait que Dieu te donnera un pain entier parce qu'il voit qu'à travers toi, d'autres personnes peuvent être atteintes. Ce n'est pas une histoire de religion, mais je ne sais pas trop quoi. Donc, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et nous allons lui rendre visite. Là, et je vais voir de mes propres yeux par quoi elle est en train de passer. Voilà. Donc, c'est juste pour donner un enseignement aux gens, pour dire que on peut le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse. Ok, viens prendre le téléphone. Il va filmer. Ok. C'est quelle maman? Maman ici. Ah, c'est la maman ici. Ok, d'accord. C'est elle? Ok. Oui. Allô, Jam? Jam? Bonjour. Ok. Et donc, Peter, à moi, voilà le problème. Ok. Oh. Il y a un petit monde. Ok.
Mais faut que tu me dises d'accord. Ok. Aïe. Voilà, il est là. Il faut que tu me dises là. Yo, waouh. Oui. Tu as le... Tu n'as pas allumé. C'est parti. Elle n'est pas partie. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, la lumière? Il t'a dit qu'il y a un peu de sable. Il y a un peu de sable. Il y a un peu wari o yali mon o tawi mon on do ha habda seta seta on do sora biriji ok biko non mari kam tati biko tati e gorko do te ko kam do tika tumi stress o wadi bana o acci ami o dilli den 2020 o wari o mani ay donc en fait elle a trois enfants et depuis 2013 son mari l'a abandonné. Et elle dit qu'en 2020, il a fait comme s'il revenait. Au Warti? Non, il n'est pas revenu. Désolé. Il est mort. Je voulais dire, il est mort. Il est mort dans 2020. Là, il a dit, non, Warta, quand il est bébé, quand il est bébé, il est bébé. Haya komi jodi do ko o abandoni am do jodi bani haba briti setta setta ya sipa ngel amanga do do no setta ha do no setta do no setta do habta be mabbe setta 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 de be yotti bo 10 ans do habina bo o do bo petel ya be sipa to me sa tay bani do do habta bo sa guro mira en ma ko wara ya sipa to jamu ko do min bo mi ya sipa Belle dit que son fils qui est en train de griller les arachides, elle vit des arachides de griller son fils qui est dehors là-bas, celui qui vend de temps en temps. Et c'est depuis. Baba m'a dit, aujourd'hui, je lui dis, il est ici. Voilà, le papa est parti quand il avait 7 ans, maintenant il a 20 ans. Donc quand il est en santé, elle m'a un peu sorti vendre les arachides et c'est de ça qu'elle vit. Donc, Minani, baby, on a marre de Bikoya de Jayata école. Je suis en train de faire Olivier. Ok, Minani a droit dans l'école, mais Aya est anélo. Tu parles français? Je parle français. Et pourquoi tu n'as pas allé à l'école cette année? Je n'avais pas les moyens pour m'inscrire. Mm-hmm. C'est moi ça. C'est quelle classe tu fréquentes? Deuxième année, au lycée technique de Kara. Deuxième année, lycée technique. Deuxième année là, c'est cinquième. Oui. La cinquième. Et c'est combien là-bas? 40 000 la pension. Et tu n'as pas pu avoir 40 000? Allô. Bon, mais est-ce que tu veux fréquenter? Oui, je veux fréquenter. Ok, mais il me va là. Déjà, je m'en crois parce que Andy, quelle école est importante ici? Ta janki botum jangoro ano wonata baba ano wonta gorko ande sare bato ano wonta ngairi don ta fiju ben de korsam min be yetti am hala merma minani dum vi il faut que mi wara be wara mi laram voilà mi laram et puis min ma sen do pete bani meram ko ma o do habda be wore ma ko perdi am lo atti am min o habdi be amin seɗa seɗa no an habda ɓikkoye ma to kanjum waɗi miɗo fama kujeji feere je himɓe jo famata ko ngam min ma hata mi ummi hata mi mawni debbo ne nde saɓirma don komin waɗata jonta ɗo mi yoɓan l'école mako le grand junior e o Yoban, l'école Marco.
Attendez, je vois, il faut. Voici mon jeune fils. Je vais, il doit rentrer à l'école. Je paye sa scolarité. Ça non ça. Et je veux que ça lui soit donné de façon officielle pour que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de s'amuser. Parce qu'il manque d'aller à l'école pour 40 000. 40 000. Il y a des gens à qui tu donnes 40 000 mépris. Ils me disent que 40 000 c'est quoi? Parce qu'un jeune homme qui n'arrive pas à fréquenter 40 000, qui est le plat de nourriture de quelqu'un, d'un autre Camerounais. Donc, sa pension, sa tenue, tout ce dont il a besoin. D'accord, papa. Chaque année. Donc, quand papa. La rentrée septembre va arriver, d'accord, papa. Tu vas être en contact avec maman. D'accord, papa. Chaque année. D'accord. Chaque septembre, quand je viens à Berthois. On lui remet sa pension, les fournitures officiellement pour que les gens comprennent. D'accord, et ce que j'ai dit ici, il faut respecter ça. D'accord, papa. Et ça ne fasse pas défaut. D'accord, papa. Le jour où on t'affecte ailleurs, l'une des premières choses que tu dois faire avec le pasteur suivant, c'est de lui dire qu'il y a le jeune homme ici. D'accord. Tu donnes le numéro à la maman. C'est compris, papa. Voilà, pour qu'il soit. Qu'il aille. Papa, le problème, c'est qu'elle n'a pas de téléphone et je ne peux que la joindre par maman Aïcha qui est là derrière. Non, elle va acheter le téléphone. D'accord. Elle aura le téléphone. Aujourd'hui, mais elle achètera le téléphone. Voilà, elle achètera le téléphone. Donc, tu vas payer sa pension jusqu'en terminale. C'est compris, papa. Maintenant, s'il est sage à l'école, il est persévérant. Maintenant, à l'université, on peut le faire venir à Yaoundé. C'est compris, papa. Aussi, l'université de Berthois est déjà ouverte. Oui, on va l'inscrire à l'université. C'est compris, papa. Donc, pension, Mami Yoba, ça, c'est pas un problème. Anan ici, aïe à l'école aussi. Tchango. À l'art, il y a un peu de l'école, on a fait l'école. Mais Mami, on est banni. Voilà mon enfant d'ami. Voilà mon enfant d'ami. Il a fait l'aïda. Merde. Voilà. Il y a d'autres dans le yoga. C'est lui, papa, qui fait les arachides de sa mère. C'est lui qui fait les arachides depuis qu'il est ici. C'est lui qui fait ça. Depuis, oh. C'est lui qui est en train de faire. Il m'a dit, c'est lui qui est en train de. Il ne sort pas. Ok. Donc, nous avons un jour de la vie. Nous avons un jour de la vie. Nous avons un jour de la vie. Nous avons un studio, non, le studio là. Hein? Chambre, salon. Chambre, salon, chambre, salon. J'ai dit, hein? Les deux chambres, salon ici, on fait ça combien? On peut couvrir même pour 15 000. 15 000, hein? Papa, 15 okay. À 20 000. 15 à 20 000, papa, les deux chambres, salon. On peut couvrir, papa. Ok. 20 000 fois 12, c'est combien? 240 000. Donc elle dit qu'au lieu de la faire déménager, elle préfère qu'on l'aide dans ses affaires. Si j'ai trouvé ma place aussi, ça va m'aider quand même. Alla mabitina madamude alla hokama sa de filoma
eba andal wa vallata bi koyna to odo do dingela mon jonta jema ko kam a habdo jebi ko fera ma kanko kam mino yobata ko ma ka universite anani che to amin tora kadi Seigneur, te disons merci pour cette famille. Mm-hmm. Je prie que ta grâce soit abondante dans cette maison. Amen. Que cet argent qu'elle a reçu soit multiplié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bénis l'œuvre de ses mains. Amen. Seigneur, je t'en prie que l'histoire de cette femme change. Amen. Nous voulons que la prochaine fois nous lui rendons visite. Amen. Que nous trouvons qu'elle est dans la joie. Amen. Qu'elle est dans l'abondance. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. 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 Toi, maman, y est-il mon cadeau? Amen. Dis-la. Ok. Quand l'homme n'a pas ta bille, dis-la. C'est les arachides avec le sel, n'est-ce pas? Ah, ça me manque. Ok. Il y a une petite machine. Tu connais ça? C'est salé, mais j'ai déjà salé. Ça, c'est dans ça que nous on a grandi. Ok, bye. Tom, t'as un ami qui m'a dit. Oh, mais dis-le. T'as la haute de fond, il y a dans toi. Ok, bye. Okay. Yo, m'y est-il. Na? Ami ho aje ma ko. Ko yetti. Bye. Ça c'est pour toi, hein? Caméraman. OK. Ouf, la chaleur mon Dieu. Voilà. Bien-aimé, moi je pense que ça, c'est des grandes leçons de vie. Ça m'enseigne tellement, tellement, tellement. Et je suis même dépassé. Pour 40 000, son fils n'est pas allé à l'école. Quand je pense à certaines choses, j'ai mal. Je vous assure, mettez un peu la clé. J'ai mal. 40 000. L'enfant n'est pas allé à l'école. Sa vie est hypothéquée pour 40 000 francs. Ah, Seigneur. Vraiment, joignez-moi dans la prière que le Seigneur la bénisse, que son commerce soit béni. Et que l'œuvre de ses mains soit bénie, que cet argent soit une source de bénédiction pour elle, et que les anges du Seigneur, les anges de la prospérité, soient une source d'inspiration pour elle. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h au Sénagès, ici à Berthois. Shalom.